race. Donc c'est à Voilà, toi. j'ai beaucoup travaillé sur le corps et en particulier effectivement sur ce thème du métissage. Hein, donc dans un programme de recherche que tu évoquais, c'était effectivement dans les années 2015-2018. Hein. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Hein, merci aux organisateurs pour leur invitation. C'est un plaisir évidemment d'être ici. Donc vous avez vu mon titre, hein, décrire, hiérarchiser, stigmatiser peuple et corps en Grèce ancienne. Donc je n'ai pas en fait repris le terme race hein, dans mon titre. La question, bien sûr, justement, pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer les spécificités hein, des perceptions hein, donc antiques et en particulier grecques du corps, et donc de voir s'il est pertinent, justement, donc, de retenir, hein, d'analyser, de retrouver donc, hein, des formes de racisme hein, dans l'Antiquité. Alors, quelques mots d'introduction, bien sûr, hein, lorsqu'on se confronte aux sources antiques, eh bien, les descriptions physiques hein, donc, pullulent, hein, foisonnent, le corps est omniprésent hein, dans nos sources. Et de telles descriptions physiques, d'ailleurs, hein, peuvent être utilisées par les administrations pour identifier des personnes, hein, valider des contrats. Hein, c'est ce qu'on appelle, par exemple, hein, dans l'Égypte plagide, hein, dans l'Égypte ptolémaïque, l'iconismos. Et donc, là, vous voyez donc, des descriptions physiques qui sont tout à fait standardisées avec hein, une série hein, de termes qui reviennent constamment et donc voilà, d'éléments hein, en fait, du corps hein, qui reviennent constamment pour en fait, donc, caractériser, hein, identifier une personne qui est en train donc de signer un contrat. Alors, lorsqu'on étudie en fait hein, donc la pluralité de ces documents et en même temps la lecture hein, donc des corps qui est proposée par les anciens, on est chaque fois en fait assez surpris parce qu'évidemment on a affaire à des perceptions qui sont très très différentes hein, des nôtres. Évidemment, les Grecs n'ont pas ne voient pas en quelque sorte les mêmes corps que nous. Et c'est toujours une surprise. Bon, il y a toute une étude qui a été faite hein, justement sur cela, de voir que, par exemple, hein, Ulysse peut être décrit donc, dans l'Odyssée comme ayant la peau noire, et, alors que, en fait, justement, dans les traductions hein, donc, en français, en fait, jamais traduit par noir, c'est toujours traduit par brun, etc. Et on peut voir que, par exemple, dans les traités de physiognomonie antique, hein, je reviendrai tout à l'heure sur la physiognomonie, eh bien, il y a une dépréciation des yeux bleus. Hein. Les yeux bleus clairs aux petites pupilles dénoncent un caractère servile, riche en ruse et avide de profit. Bon, ce qui, en fait, évidemment, quelque part est logique, hein, puisque lorsqu'on est en Méditerranée, lorsqu'on est en Grèce, les personnes qui ont des yeux bleus, a priori, ce sont très souvent en fait, des esclaves hein, qui viennent donc d'autres parties donc, de l'Europe. Alors, il faut rappeler ici qu'en vérité, hein, lorsqu'on parle des hommes, et donc non pas des femmes, mais des hommes, les hommes grecs ne se sont jamais définis en fait hein, comme noirs, comme blancs, je veux dire, justement comme blancs. Et dans aucun texte, hein, vous n'avez la couleur blanche qui revient donc, pour définir donc, la couleur de peau. Le blanc, par contre, peut être une couleur associée aux femmes. Hein, donc, voilà. Et dans les aikonismoi, en particulier, donc, lorsque on décrit la couleur de peau, voilà en fait les termes hein, qui reviennent les plus souvent. Alors, le terme le plus fréquent, c'est millicros, hein, une peau couleur miel. Sinon, c'est un qui tire sur le rouge, rouge, qui a le teint rouge, rougeau, hein, tout un vocabulaire en fait, donc, autour du rouge. Donc, il faut bien évidemment retenir cette idée que les Grecs ne se voyaient pas comme en fait, les Occidentaux ensuite ont pu se définir, et que cela dit, de manière générale, et c'est comme ça l'idée la plus importante, c'est que la couleur de peau n'est jamais présentée dans nos sources hein, comme un élément particulièrement essentiel de l'apparence d'un individu. C'est un élément qui peut donc intervenir, mais qui est toujours secondaire. Alors voilà bien sûr la question que je vais poser. Hein, est-ce que d'ailleurs les Grecs hiérarchisaient, stigmatisaient peuple et individu en fonction de caractéristiques corporelles? Est-ce qu'on peut parler d'un racisme antique? Et compte tenu en fait, du temps de parole très limité hein, qui a été donc, proposé aux intervenants, hein, 20 minutes, je vais me contenter en fait, d'aborder trois dossiers, en quelque sorte, hein, trois approches possibles. La première approche, en fait, c'est donc justement en fait, c'est la recherche hein, d'un racisme antique, point d'interrogation, avec évidemment ici donc, le travail de référence le plus récent, hein, donc la synthèse la plus récente sur cette question très débattue de l'existence donc, d'un racisme antique, c'est l'ouvrage de Isaac et puis donc, différentes publications hein, qui sont liées donc, à son travail. Et donc, vous voyez, donc, l'invention du racisme hein, dans l'Antiquité classique, et puis un article hein, sur le proto-racisme, hein, je vais revenir sur cette expression proto-racisme, et puis donc un travail collectif. Il a donc défendu l'idée hein, d'un proto-racisme antique hein, dans ses ouvrages, et voilà donc la définition qu'il retient du racisme, je l'ai donnée parce que je pense que voilà, ça peut être une définition de départ pour voir comment est-ce qu'un historien de l'Antiquité peut lui donc, prendre comme définition justement pour étudier donc, ses propres cultures, hein.
Ma définition du racisme est la suivante: une attitude envers peuple et individu qui suppose un lien direct entre qualité physique et mentale. Le racisme attribue donc au peuple et individu des traits physiques, psychologiques et moraux communs, constants, que nulle volonté ne peut modifier, leur cause étant recherchée dans des facteurs héréditaires ou des influences extérieures, telles que le climat ou la géographie. Alors, le terme qu'il a donc choisi au départ pour qualifier donc l'Antiquité, c'est ce terme de proto-racisme. Il ne faut pas le comprendre comme, en quelque sorte, un ensemble de représentations, de perceptions avant le racisme. Pour Isaac, il y a bien un racisme antique. Et il prend donc en fait ce préfixe proto dans le sens de prototype, de modèle. De modèle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le travail d'Isaac est un travail, je dirais, très, très complet, mais c'est en fait simplement une histoire des idées. C'est une histoire des idées, c'est une histoire des représentations, représentation du corps, de l'hérédité, des différences ethniques. Ce n'est pas une histoire des institutions, ce n'est pas une histoire des pratiques sociales, ce n'est pas une histoire véritablement des formes de stigmatisation, etc., etc. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, en fait, donc, c'est cette idée de modèle, de prototype, c'est analyser des idées qui sont au fondement de ce qu'il considère comme le racisme antique et qui ensuite donc, ont eu une longue postérité, qui ont donc, bien sûr, ont influencé donc, les penseurs des périodes médiévales et modernes. Aujourd'hui, bon, il parle très directement, tout simplement, de racisme antique. Alors, pour lui, justement, dans cette histoire des idées, il y a trois idées essentielles qui répondent à la définition du racisme que je viens donc de donner donc, précédemment, et qui donc associent des caractéristiques qui associent aux individus, des caractéristiques donc, qui assignent aux individus, des caractéristiques physiques et morales, et qui sont supposées donc permanentes. La première idée, c'est le déterminisme environnemental, ce qu'on appelle aussi souvent donc, la théorie des climats. Donc, cette idée que les lieux, le climat, l'environnement ont déterminé donc, les caractéristiques collectives des populations, donc, qu'elles soient physiques ou psychologiques, à la fois donc, corporelles et morales, intellectuelles. Deuxième idée, c'est la valeur attribuée, donc la pureté des lignages, des naissances. Là, on est plus dans justement la dimension généalogique en fait, de la race. On y reviendra donc, tout à l'heure dans ma troisième approche. Et puis, troisième idée, la possible transmission héréditaire de caractère acquis. Ce qui pourrait paraître surprenant, mais qui en fait, dans son idée, montre bien que des faits qui sont socioculturels peuvent du coup être naturalisés, être pensés, donc du coup devenir héréditaires. Des faits socioculturels, des faits acquis, donc peuvent devenir héréditaires et donc être naturalisés, peuvent devenir des traits naturels dans les perceptions donc, des anciens. Alors, il est bien clair que lorsqu'on étudie l'ensemble de la documentation antique, il n'est pas difficile de trouver des textes qui différencient les peuples en fonction de traits naturels, de traits physiques, qui sont visibles, qui sont collectifs, qui sont dévalorisants, tout un ensemble de représentations ethnocentriques, voire xénophobes. Mais pour nous, alors, il y a néanmoins un débat évidemment très important autour de ce terme de racisme. Pour nombre d'antiquisants, en fait, le terme de racisme est anachronique, car les idées qu'étudie Isaac en fait, ne forment en rien un système cohérent. Elles ne forment rien un système consensuel, et ces idées ne s'accompagnent pas nécessairement d'une stigmatisation des populations concernées. Et puis, bien sûr, beaucoup de textes également soulignent les qualités physiques, morales et spirituelles des peuples que les Grecs pouvaient juger par ailleurs comme barbares. On peut trouver à la fois des éloges, évidemment, des peuples étrangers comme des critiques. Alors, pour aller plus loin donc, dans ces remarques, il faut donc aborder la deuxième approche, un deuxième dossier en quelque sorte, le thème des sémiologies antiques. Alors voilà un petit complément en fait pour ceux qui sont intéressés par ces questions. Donc toute une série d'ouvrages évidemment qui aujourd'hui sont très nombreux sur cette question de la race. L'ouvrage de McCoskey par exemple. Là aussi très intéressant pour voir en fait en quelque sorte à mettre en parallèle, à mettre en dialogue l'Antiquité et le contemporain. Bon, Groen, par exemple, est quelqu'un qui critique. C'est un ouvrage critique par rapport en fait, aux thèses d'Isaac. Alors, deuxième approche, les sémiologies antiques des corps. Ce que les Grecs appellent des technai. Technai, la techné, c'est-à-dire en fait, c'est à la fois un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui sont élaborés par les Grecs pour décrire et interpréter les corps. Décrire et interpréter les corps, bon, c'est sur ces sémiologies que en fait, la plupart de mes travaux sur le corps portent. Et en particulier sur la sémiologie donc physiognomonique que je vais présenter. Alors, j'en ai retenu trois ici, avec chaque fois en fait deux signes. Comment
ces différents discours sur le corps hein, peuvent interpréter de manière différente en fait des signes dans une optique hein, qui est bien sûr donc chaque fois leur logique propre. Hein. Donc sémiologie médicale, évidemment hein, des symptômes pour étudier, identifier le tempérament d'une personne et son état de santé. Un éternuement, c'est le signe d'un excès d'humidité. Une peau brune ou noire peut être le signe d'un tempérament mélancolique. C'est l'une des caractéristiques en fait, des tempéraments mélancoliques, c'est-à-dire un excès de bile noire. La mélancolie antique n'est pas tout à fait la mélancolie en fait, contemporaine. Il y a eu un changement de sens. En fait. Deuxième exemple de sémiologie, la sémiologie divinatoire et astrologique. Donc là, les éléments descriptifs sont autant de signes permettant d'anticiper le destin d'un individu. Ça, c'était en fait un très, très également pratiqué, en particulier d'ailleurs aussi, pas simplement en Grèce, mais au Proche-Orient. Donc là, un éternuement est un signe envoyé par les dieux. C'est toujours, en fait, il y a une trace aujourd'hui. Lorsqu'on dit qu'il y a quelqu'un qui éternue, donc... qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs à tes souhaits, voilà, à tes souhaits, etc. Donc voilà, c'est justement, c'est que voilà, le souhait hein, qui t'a été donné, donc se poursuit. C'est vrai qu'on le dit moins quand même aujourd'hui, donc du coup, ceux qui naissent surtout avec le masque, voilà. Ceux qui naissent sous les signes de Chronos peuvent avoir donc la peau noire. La peau noire, c'est en fait lié à un signe donc, hein, donc de naissance. Et puis voilà, donc, la sémiologie physiognomonique. Les éléments descriptifs sont autant de signes permettant d'identifier hein, le caractère d'un individu. Donc là, un éternuement, c'est le signe d'un manque de maîtrise de soi, d'un caractère efféminé, hein, ce sont les femmes qui éternuent. Et une peau noire peut être lue comme le signe d'un caractère lâche, à l'exemple des Égyptiens, hein, je vais donner un texte ensuite. Alors, quelques mots d'explication, parce que, évidemment, hein, ces sémiologies, en fait, sont des sémiologies très complexes. Hein. Pour l'ensemble, un trait physique à lui seul n'est jamais signifiant. Un trait physique à lui seul n'est jamais signifiant. C'est l'apparence dans son ensemble en fait qui doit être évaluée hein, donc par celui qui justement donc fait cet exercice hein, donc d'interprétation, de lecture d'un corps. Et il faut bien comprendre, hein, vous le voyez de toute façon avec les différents signes que je vous ai proposés ici comme exemple, que chaque sémiologie repose sur une logique propre qui est complètement autonome. Hein. Il y a des dialogues, mais en fait ces dialogues sont très restreints entre ces différentes sémiologies. Il n'y a pas d'interprétations qui sont convergentes. Et en fait, concrètement, les sources grecques nous confrontent constamment une pluralité du discours sur le corps. Et la sémiologie physiognomonique, en fait, ne fut jamais acceptée hein, par l'ensemble de la société. C'est resté toujours en fait, un exercice un peu marginal hein, dans le monde grec. Enfin, un peu marginal. C'est pratiqué par les élites, mais malgré tout, un peu secondaire, hein, je dirais, donc dans le monde grec. Cela dit, évidemment, pour nous, c'est la plus intéressante, quand même, je dirais, je dois m'arrêter un peu là-dessus, parce qu'évidemment, c'est précisément celle hein, qui va essayer donc, de partir de l'apparence des individus hein, pour en déterminer donc, les qualités à la fois donc, physiques hein, donc, et spirituelles, donc le caractère des individus. Et à ce moment-là, hein, la diversité des peuples a assurément joué un rôle. Voilà, par exemple, un extrait, j'aurais pu en citer évidemment des dizaines. Les nations hein, n'ont pas toute la... Donc là, c'est en latin. C'est un anonyme latin. Les nations n'ont pas toutes la même l'évolution des traités grecs. Les nations n'ont pas toutes la même couleur de peau. On devra donc connaître la couleur correspondant au caractère des nations. Un teint noir indique une personne légère, pacifique, pusillanime et retorse. C'est le type des habitants des régions méridionales, comme sont les Éthiopiens, les Égyptiens et leurs voisins. Un teint blanc rosé indique des gens doués de courage et de force d'âme. C'est le type des habitants des contrées septentrionales. Un teint blanc est à l'opposé du courage. Alors là, ce n'est pas dit, mais le teint blanc, donc c'est les femmes, par exemple. Donc évidemment, ça marque une absence de courage. Alors, il ne faut pas en fait hein, se tromper en étudiant de tels textes. Ces traités, en fait, ce sont des traités méthodologiques. Ce sont des traités de méthode qui cherchent avant tout à identifier le sens d'un signe particulier à partir de justement d'éléments qui pourraient en fait être significatifs. Et évidemment, ces traités reprennent tout un ensemble de stéréotypes hein, qui circulent hein, donc dans la culture grecque, des stéréotypes évidemment donc dépréciatifs hein, ou au contraire hein, donc appréciatifs. Bon, lorsque on n'examine pas les manuels, hein, donc parce que ce sont des manuels, hein, mais la pratique, parce qu'on a des textes de pratique de la physiognomonie, on a affaire en fait à des choses très différentes, et on s'aperçoit que la physiognomonie, fondamentalement, c'est en fait un instrument de contrôle social. C'est un instrument de contrôle social qui ne vise pas à stigmatiser en fait, des peuples, hein, mais des comportements. Et chaque fois, en fait, ce que l'on juge, hein, ce n'est pas véritablement d'ailleurs un physique, ce sont des attitudes, ce sont des comportements, ce sont des manières d'être.
Et en fait, ce qu'on stigmatise, ce sont évidemment tous les comportements qui sont contraires au comportement des élites. C'est ça, en fait, qui est en jeu dans la physiognomonie. Et par ailleurs, parce que donc physiognomonie, qu'est-ce que ça veut dire ? Physiognomonie, en grec, ça veut dire un savoir sur la physis. La physis, c'est la nature, et la nature, précisément, comme un ensemble de qualités, un physique et moral, encore une fois, le caractère, etc. Un grec peut très bien dire, je me comporte de telle manière parce que c'est ma physis, c'est ma nature. Eh bien, en fait, cette nature, les Grecs la conçoivent très clairement, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, comme quelque chose qui n'est pas figé. Elle peut évoluer en fonction de nombreux critères, tels que l'éducation, tels que, effectivement, l'environnement. C'est-à-dire que si on change de lieu, la nature va être changée, en quelque sorte, en fonction du lieu où on habite, etc., etc. Et puis, en quelque sorte, avec ces manuels de physiognomonie, le physiognomoniste est aussi un éducateur. Un éducateur, en quelque sorte, justement, au comportement qu'il faut adopter. Et ce n'est pas, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je dirais, donc, véritablement une trahison, si, en fait, lorsqu'on retrouve ces textes à la période moderne, et on les trouve très fréquemment, on les retrouve, en fait, pratiquement des citations entières dans les traités de civilité, dans les traités de civilité qui reprennent, en fait, les traités de physiognomonie antique. Alors, troisième approche, eh bien, on est là à faire quelque chose de très différent. La recherche de la manière dont les Grecs construisaient leur identité politique. Donc, la question des corps politiques. Alors, je vais partir, en fait, de quelqu'un, d'un penseur qui, aujourd'hui, est un peu oublié, mais qui a été très influent dans les années 30, 40, 50, 60. C'est Eric Voegelin, donc, sur la race et l'État, donc, traduit en français, vous voyez, en 2007. Mais vous voyez que lui a publié sa thèse et ses différents travaux en 1933. Tout cela paraît assez, évidemment, donc, il faut contextualiser, c'était un Autrichien. Et c'est un spécialiste de philosophie politique qui, vous le comprenez bien, à partir de 1938, va s'exiler aux États-Unis, qui ensuite donc, va faire toute sa carrière universitaire aux États-Unis. C'est un ami de Hannah Arendt, etc., etc. Lui, ce qui l'intéressait donc, dans ses travaux, c'est montrer, donc, faire de la généalogie des conceptions nazies, des conceptions racistes nazies, et montrer donc, leur spécificité. Et l'idée centrale de son œuvre, c'est que d'une période à l'autre, les recherches en fait, sur les conceptions racialisantes ne doivent pas privilégier les représentations savantes justement, du corps, comme on l'a vu précédemment, mais les idées politiques. Les modes de conception et de construction des politiques, et donc les modes de rapport de pouvoir. Comment se construisent les rapports de pouvoir donc, dans différents systèmes. La question essentielle pour lui, c'est comment est-ce qu'un État se conçoit, se construit en tant que corps politique. Donc, comment est-ce qu'un État se conçoit, se construit en tant que corps politique. Alors voilà deux passages qui sont assez représentatifs. L'idée de corporéité, l'idée de corps, en tant qu'elle fait partie de la structure des idées de l'État, on est malgré tout dans quelque chose qui est une recherche sur les idées qui sont au fondement de l'État, mais bon, voilà, dans la construction de l'État, dont la totalité constitue à titre spirituel la communauté politique, trouve aujourd'hui son expression dans l'idée de race, dans la mesure où elle représente l'élément le plus important pour la compréhension du monde politique moderne. Nous l'avons placé au centre de nos recherches. Et les conceptions de la corporité, qu'il s'agisse de l'idée de dynastie, de lignée, de celle de consanguinité, de corps mystique du Christ ou de celle de race, sont toujours essentielles pour l'édification de la réalité de l'État. Alors pour Voegelin, donc les nazis ont construit l'État allemand en concevant ce corps politique en tant que race, bien davantage qu'en tant que nation, en tant que race. Mais pour lui, les communautés politiques grecques ont construit leur corps politique sur l'idée de corps ligné, reposant sur l'idée d'une consanguinité, d'une homogénéité, en fait, une continuité parentale. Alors, c'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans certains travaux. Et j'ai cité ici le travail par exemple de Susan Leip, race et identité civique dans la démocratie athénienne, donc à l'époque classique. Ce sont toutes les recherches autour de l'eugénéia. L'eugénéia, donc, c'est la bonne naissance, la bonne lignée, c'est tout ce qui relève donc du génos. Le génos, en fait, c'est ce qui a traduit. Ce qui est traduit, en fait, d'ailleurs, en français jusqu'aux années 60, par race, précisément. De bonne race, comme on dit, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque archaïque, les élites aristocratiques donc, revendiquaient cette eugénéia. C'était donc une idéologie aristocratique et donc revendiquaient, évidemment, donc, l'excellence de leur naissance, de leur sang. À Athènes, à l'époque classique, donc dans cette Athènes démocratique, eh bien, les Athéniens revendiquent une origine commune. Ils revendiquent l'autochtonie, donc le fait d'être né du sol, et tous revendiquent à ce moment-là donc l'eugénéia. L'eugénéia est devenue en fait une caractéristique commune de tous les citoyens athéniens,
C'est l'un des fondements de l'égalité politique. La naissance n'est plus ce qui distingue les individus, mais au contraire, c'est ce qui les unit, en tout cas, évidemment, au sein de la communauté civique. C'est après ce qui va distinguer les citoyens des non-citoyens. Et donc, vous comprenez bien que la communauté politique donc, athénienne construit donc, en fait, sa communauté en tant que groupe parental, avec la transmission de traits communs, de traits héréditaires, tels que l'amour de la démocratie. L'amour de la démocratie est pensé comme une caractéristique des Athéniens, de manière héréditaire, en quelque sorte. Alors là, évidemment, on a affaire à quelque chose qui est très différent de ce qu'on a vu précédemment, parce que là, on a des institutions. Évidemment, derrière ce discours, derrière cette idéologie, on a des institutions qui vont avoir des conséquences très immédiates sur le vécu des individus. Par exemple, la loi de Périclès, avec l'idée qu'on ne peut être citoyen que si on est en fait fils d'un citoyen et d'une mère, fille de citoyen. Et donc l'interdiction, en quelque sorte, donc des mariages mixtes en dehors de la citoyenneté. Donc là, vous voyez, le point essentiel, c'est que les catégories politiques se construisent en étant tout à la fois statutaires et ethniques. Les catégories politiques se construisent en étant tout à la fois statutaires et ethniques. C'est une communauté qui se construit comme un peuple, et en même temps comme une communauté civique, évidemment, donc de citoyens. Alors, là aussi, il faudrait malgré tout nuancer le propos en montrant que dans cette Athènes démocratique, en fait, là aussi, les idéologies en fait, sont très divergentes. Il y a d'autres discours qui sont portés par les Athéniens, et le thème de l'eugénéia n'est pas le seul thème en fait, qui apparaît pour construire en fait, leur conception politique. Par ailleurs, c'est un modèle athénien qui n'est pas, en fait, qui n'a pas été imité par toutes les cités, loin de là. Alors, quelques remarques conclusives, voilà, j'arrive au bout de mes 20 minutes. Vous voyez que les différentes approches en fait, de cette question pour l'Antiquité peuvent se focaliser soit sur des représentations, sur des idéologies, soit sur des sémiologies, ou donc sur des formes de contrôle social, ou bien encore sur des constructions sociopolitiques, sur des expériences très concrètes d'exclusion de la communauté. Évidemment, quelles que soient les périodes, les historiens se confrontent toujours en fait, à cette dialectique de l'inclusion, de l'exclusion par les corps, qui structure donc, toute organisation politique et sociale. Et la question qui est posée, je crois, ou une des questions importantes, c'est celle de l'institutionnalisation de l'altérité. Comment est-ce que tout ça peut être ou non institutionnalisé? Et de ce point de vue-là, donc, les modes antiques de construction des altérités sont d'autant plus performants ou performatifs, si vous voulez, qu'ils ont associé clivage statutaire et clivage généalogique. Évidemment, ce qui a été le plus marquant, c'est lorsqu'il y a eu cette association entre clivage statutaire et clivage généalogique. Mais en fait, il faut toujours donc, justement, le garder en tête, c'est ces associations ont toujours été contrebalancées par d'autres modes de construction des appartenances. Ces cités sont toujours restées des micro-États qui n'ont pas pu imposer à elles seules en fait, un seul mode de catégorisation des individus. Et aujourd'hui, bien sûr, les travaux. Et là, on est vraiment dans les paradigmes actuels. Les travaux qui portent sur les identités grecques insistent toujours davantage sur le caractère fluide, sur le caractère pluriel des identités grecques. Évidemment, un grec est porteur de multiples identités qu'il peut évidemment mettre en avant selon les contextes énonciatifs. Alors, cela dit, je terminerai quand même là-dessus. Dans aucune source grecque, on ne voit un homme tuer un autre homme à cause de la couleur de sa peau. Dans aucune source grecque, on ne voit un homme tuer un autre homme à cause de la couleur de sa peau. Voilà, je vous remercie pour votre attention.